Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, j'espère que tout se passe bien pour vous. Oh, moi ça va, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, donc c'est la cuisine. Je vais vous partager mes trois recettes préférées à ce moment. Donc c'est une recette de courgettes farcies, donc c'est la saison des courgettes, du coup on se fait plaisir, on essaie de faire, de cuisiner autrement la courgette. Du coup je vais vous partager une recette de courgettes, après je vous partagerai une recette de chez moi, donc c'est des bananes vertes avec petits pois séchés, donc c'est Ibitoki Nubushaza dans ma langue. Et à la fin, je vous partagerai le dessert préféré de mon fils. Donc, c'est un trop blablaté. On va continuer avec la suite. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, donc j'ai bien lavé mes courgettes. Du coup, je vais les vider. Donc, je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est des courgettes qui viennent du jardin. Donc, ce qui est à l'intérieur, les graines, c'est pas trop dur. Donc je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur, après je vais les écraser, je vais bien les couper. Et donc là j'ai fini d'enlever tout ce qui était à l'intérieur, du coup je vais les passer au four, donc 10 à 15 minutes comme ça. Donc je continue, après donc je vais faire revenir les oignons. Donc là j'avais haché le persil avec un oignon. Donc je vais profiter pour me présenter, je m'appelle Grace, je suis maman de deux garçons, je travaille à 100%, je suis aide-soignante. Donc sur la chaîne je partage avec vous beaucoup de choses, motivation ménage, meal prep, retour de course. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos. Et je profite aussi pour souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés. J'oublie pas aussi les anciens abonnés. Vraiment, merci, merci beaucoup du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Donc là, comme vous avez vu, j'ai rajouté ce que j'avais enlevé à l'intérieur de la courgette. Donc là aussi, je continue à remuer. Donc après, je vais venir rajouter une boîte de thon. Donc à ce stade-là, je vais laisser mijoter un peu. Donc je vais rajouter du poivre. Abusez pas comme moi parce que là, moi j'ai mis beaucoup de poivre. Du coup, ça piquait un peu. Du coup, les enfants, ils n'ont pas pu manger. Mais franchement, je vous dis, c'était un régal. N'oubliez pas aussi de rajouter un peu de sel. Donc après je vais rajouter la crème fraîche. Donc là en fait j'ai rajouté encore de la crème fraîche parce que c'était pas assez pour moi. Donc là c'est bon, la farce elle est prête. Du coup, je vais mettre à côté. Donc là, vraiment, je suis désolée. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone. Je n'ai pas bien filmé, mais il fallait que je vous montre l'étape. Donc là, je vais garnir les courgettes. Donc, je mets la farce que je viens de préparer avec vous. Après, je vais rajouter du fromage râpé. Et après, ça va partir au four. Il faut surveiller la cuisson. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps vous surveillez la cuisson. Voilà, donc c'est le moment de passer à table, c'est le moment de déguster. Vraiment, cette recette, c'est un régal. C'est un régal. Il y a mon mari qui dit tout le temps que c'est très très bon, comme la viande. Mais je vous dis franchement, c'est bon, c'est très bon.
Donc, passons à la deuxième recette. Donc, recette de bananes vertes avec les pois séchés. Donc, je vais revenir les oignons. Après, je rajoute la tomate écrasée. Après, je vais rajouter un peu de sauce tomate et je rajoute de l'eau et je laisse mijoter un peu. Donc là, c'est mes bananes vertes donc, que j'ai épluchées, que j'ai mis au congélateur. Donc, je vais les rajouter dans la sauce. Donc, après, je vais rajouter les petits pois. Donc, c'est déjà cuit. J'en avais beaucoup. Du coup, j'ai mis au congélateur les petits pois qui sont déjà cuits. Donc, je rajoute les petits pois. Après, je vais rajouter du piment végétarien. Donc, ça pique pas. Donc, je mélange un peu. Et après, je vais laisser mijoter jusqu'à ce que la banane soit bien cuite. Donc, bien sûr, j'oublie pas de rajouter du sel. Je voulais préciser pour les gens qui n'aiment pas l'huile rouge ou bien l'huile de palme, vous pouvez utiliser l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis pas allergique à l'huile de palme, du coup. J'ai utilisé l'huile de palme. Donc voilà, la deuxième recette, c'est un gâteau, franchement, que je vous conseille vivement de réaliser. C'est un cake vanillé. C'est un cake vanille chocolat. Franchement, il est bien moelleux, très bon. Dans le saladier, j'ai mis 3 œufs. Après, j'ai rajouté du sucre, j'ai mélangé. Donc là, je suis en train de rajouter du lait avec... Après, j'ai rajouté de l'huile. Donc, si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire, comme ça, je vous mettrai les ingrédients. Donc, ensuite, je vais rajouter la farine. Après, je rajoute de la levure. Donc là aussi, je mélange bien pour que mon mélange soit homogène. Donc j'ai fini de mélanger. Du coup, je vais diviser en deux. Donc une partie, je vais rajouter du chocolat et l'autre, je vais laisser comme ça. Là, je me sers des cure-dents pour mélanger. Donc, j'ai mis mon gâteau au four à 180 degrés, donc à 30 minutes. Donc, il faut surveiller la cuisson. Donc, tout dépend de votre four, comment il est en fait. Donc là, je vais le démouler pour vous montrer à l'intérieur comment il est très très moelleux, comment il est bien sorti. Alors, vraiment les amis, je voulais vous remercier. Merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires. Franchement, ça me touche beaucoup. Les amis, je vous dis la vérité, quand il y a des messages ou des commentaires que je reçois, quand je les lis, ça m'encourage, ça me fait du bien en fait et ça me donne du courage aussi de produire et de continuer à faire des vidéos. Franchement, vous êtes grave gentil avec moi. Merci beaucoup. Waouh, regardez à l'intérieur comment franchement
il est bien sorti. Et là, on voit les doigts de mon fils. Il était impatient. En plus, le gâteau, il était trop, trop chaud. Regardez à l'intérieur, je vous montre de près comment il est. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé, merci du fond du cœur. Donc j'espère que vous allez tester les recettes. Donc dites-moi en commentaire si vous allez tester ou pas les recettes que je viens de vous partager. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné des idées. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker au max. Vous savez, liker, c'est ça qui permet que ma vidéo soit virale. C'est ça qui permet que ma vidéo soit visible par un grand monde. Ou si vous voulez aussi, vous pouvez donner à vos amis, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par la vidéo. Donc, pourquoi pas, il faut pas hésiter à partager. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.